Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission, Notre Bien-être, hein. L'émission du week-end. Hein. Donc, qui vous. Bon, on se lâche. Là, c'est chaud, chaud, chaud sur le plateau. Là, je les ai un peu calmés parce que c'est là. Très chaud. Oui, non, là, c'est chaud. Même après ça, c'est chaud. En fait, le débat n'était pas à la pause. L'émission était à la pause, mais le débat, on n'était pas à la pause. Le débat n'était pas à la pause parce qu'on a continué hors caméra. Donc là, alors, on va. Non, je vais continuer si tu veux. Continue. Ouais, je disais hors antenne tout à l'heure qu'il y a des couples qui se brisent comme ça. Il y a énormément de couples qui se brisent, surtout dans des familles, peut-être que je n'ai pas les chiffres, hein, dans les familles qui sont très religieuses, où, parce qu'on sait qu'il y a des normes religieuses qui interdisent le divorce, qui prônent l'abstinence avant le mariage, qui interdisent les rapports sexuels avant le mariage. Et donc, tu ne sais pas si ton homme ou ta femme s'est embrassé ou pas. Tu ne sais pas s'il a un gros pénis ou un petit. Tu ne sais pas si ta femme, elle aime cette position ou pas. Et tout ça, vous découvrez au cours du mariage. Il y a des femmes qui fuient des foyers parce que l'homme... Parce que vous avez un gros pénis. L'homme, il a un gros pénis. Ah bah oui. Parce que l'homme, il a un petit pénis. Ouais, il y a énormément de couples qui se brisent comme ça. Ou encore, peut-être parce que vous vous rendez compte que, voilà, il y a ces positions que votre mari, lui, n'aime pas. Ou que votre femme, lui, n'aime pas. Donc, il y a de ces couples qui se brisent comme ça, simplement sur des coups de... Donc Helmut, si on comprend bien, vous défendez la position, il faut goûter avant d'aller en couple, c'est non, ça. Alors, moi j'ai toujours relativisé. J'ai toujours relativisé. C'est vrai, je dis, il y a des normes sociales et des normes religieuses qui prônent l'abstinence avant le mariage. Mais pourquoi il y a des gens qui sont contre? C'est pour ça que je dis, il y a des gens qui sont contre parce que il y a de ces statistiques et qui montrent que des femmes ou encore des hommes se séparent de leur conjoint simplement à cause de ces problèmes liés à la sexualité. C'est vrai, il y a beaucoup de couples qui se séparent à cause de beaucoup de problèmes, hein. Mais il y a aussi ces problèmes sexuels qui sont à la Mais là, base on va parler des conséquences, justement. Mais ces conséquences-là, donc quelqu'un qui, bon, une femme ou un homme, moi, pour moi, l'homme, c'est toujours la femme, parce que l'homme, c'est pas vrai, pour moi, parce que l'homme va toujours goûter à tout, non, puis non, la non, femme... Non, il y a des hommes qui Ah, mais qui tiennent le coup, qui ne font rien de rien. Nos jours, oui, 2022. Oui, ah, il faut voir, il faut voir. Mais ils sont peu. Très, très peu, mais ils sont là. Très, très peu, hein. Michel, il m'a regardé, oui, moi. Michel, alors, non, pas toi. Non, les conséquences, oui. Vas-y. Bon, pas, Michel. Il n'y a pas assez de conséquences au niveau de la femme. J'ai pu noter qu'exception l'ordre psychologique, surtout de la femme. Il n'y a pas de conséquences en tant que telle sur la femme. Par contre, sur l'homme, il y a ce risque de baisse de libido, risque d'augmentation de stress et de la tension artérielle. Ça veut dire que les hommes souffrent plus. Chez l'homme, il y a également la qualité de l'appareil érectile qui se dégrade si l'abstinence est de longue durée. Ce sont donc, des arguments. Donc, il n'y a pas de conséquences sur les femmes. Donc, je comprends pourquoi. Le stress, le mot de bas-ventre, le stress, c'est autre. Donc, l'homme souffre plus. Découvrir cela. Donc, c'est pour ça que c'est toujours la femme qui doit... Pour la femme, ça va. Ça va. C'est ça. C'est ça. Ou bien, Helmut. Oui. Voilà. Vas-y. J'y vais. Moi, je me dis une chose. Il faut quand même qu'on sache une chose. Le mariage, c'est comme un projet. Quand on veut rentrer dans un mariage, on ne sait pas ce qu'il y aura dans un an, dans un mois, dans 5 ans, dans 20 ans. Sauf qu'on essaie de s'accorder, de se poser des bases pour pouvoir se comprendre et avancer. Parce que moi, je me dis que c'est ça le mariage. On ne peut pas tout connaître du mariage. Il y a des hommes qui ont épousé des bêtes sexuelles, mais ils ne sont pas restés avec elles. Elles sont, voilà, mais ils ne sont pas restés. Ça veut dire que la sexualité, à la base, ce n'est pas une condition. Maintenant, dire qu'il y a des conséquences pour l'abstinence, moi, je suis musulmane. On dit, si toi, un homme, pour pouvoir contrôler ton abstinence, il faut jeûner.
Parce qu'il y a le plaisir sexuel qui est juste désir. Ce n'est pas pour l'objectif de se marier. Il y a des hommes et des femmes qui font la sexualité parce qu'ils sont libres, parce qu'ils veulent voilà, se déstresser, parce qu'ils veulent s'amuser. On ne parle pas de ça. Il y a même de ces hommes aussi qui font maintenant la sexualité pour de l'argent. Ils font pas le trottoir. Mais c'est de la prostitution déguisée. Ça veut dire que la fille telle sort avec un monsieur tel parce que le monsieur va lui construire une maison, une voiture, ou bien financer son école, tout ça. Ou bien lui trouver un poste quelque part. Il y a de ces actes sexuels intéressés. Nous ne parlons pas de ça. Dans ce cadre donné, nous parlons de est-ce qu'il faut adopter l'abstinence avant le mariage. Ça veut dire que sur la base, nous voulions parler d'une relation qui veut aller au mariage. Et le mariage, c'est quelque chose de sacré. Et si on veut vraiment réussir de son mariage sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan en fait, de cette, dans toute sa globalité, moi je me dis que l'abstinence est quelque chose de bien. Maintenant, pratiquer l'abstinence ne veut pas dire ne pas partager des informations sexuelles. Vous pouvez avoir des échanges qui ont des connotations sexuelles. Ça se dit. C'est pourquoi il y a souvent, quand un jeune couple veut aller au mariage, c'est bien toujours de les accompagner. De les accompagner à ne pas d'abord s'isoler. Parce que quand on aime une personne, il suffit qu'on s'isole, on s'attire. C'est automatique. C'est pourquoi certaines personnes refusent même, quand vous êtes déjà dans ce cheminement pour aller au mariage, de ne plus être dans un endroit clos où il n'y a que toi et justement, elle. Ils font comment ces couples-là il y a le désir et là, l'envie est là. Oui, parce que quand, en fait, quand on a le désir, chasser le naturel, il revient au galop. Oui, mais comment le ils désir font, justement. Est là, oui, c'est pour ça qu'il faut éviter. Il faut vraiment donc, éviter. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'ils se voient tous les deux, non? Oui, seuls. Ils peuvent se voir, mais pas se voir seuls. Parce que si vous voulez adopter un cheminement donné, donc, il faut et que... ce cheminement, vous saviez pourquoi vous voulez le faire. Ça, c'est d'ordre spirituel. C'est-à-dire que adopter l'abstinence pour aller au mariage, pourquoi je ne veux pas parler, je ne peux pas parler sans parler de la spiritualité. Mais c'est un fait qui n'est pas... pas maintenant bien respecté, mais je me dis... Oui, mais donc, ça veut dire que tous les deux, ils se voient, c'est bisous, et puis bon, on se serre la main. Il y en a même qui refusent les bisous. Ouais. C'est ce qui est grave. Les bisous sont autorisés. Les bisous même ne sont pas autorisés. Oui, les bisous ne sont pas autorisés non plus. Vous êtes ensemble, et c'est pour cela aussi qu'on dit qu'il ne faudrait pas que cette étape-là aussi dure trop. Vous ne pouvez pas vous dire que vous voulez aller au mariage et adopter une relation de 1 an, de 2 ans. Oula, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça veut dire que vous rencontrez, vous savez pourquoi vous vous rencontrez. Peut-être que les 3-6 mois, c'est pour essayer de checker, voir est-ce que telle famille, est-ce que. Ça veut dire que vous avez une intention claire, c'est d'aller au mariage. Laissons ces relations d'amusement et par erreur, ils vont au mariage après 10 ans de pratique sexuelle. Non! Disons-nous la vérité, le sexe n'est pas une condition au mariage. Par contre, Rachida, il y a des relations qui durent. Hein. Vous avez parlé de 10 ans de relations sexuelles. Ouais, les gens sont tout à fait heureux en couple après cette longue période à s'observer, surtout sexuellement. Et juste après le mariage, ils divorcent. Il y en a qui s'entendent bien, hors mariage. Sexuellement, c'est parfait, tout y va. Dès qu'ils franchissent le cap du mariage, les problèmes arrivent. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a eu des valeurs, il y a des bases. Ils ont négligé ces valeurs-là. Ils se sont laissés aller au plaisir charnel. Bon, écoutez, parce que le mariage, ce n'est pas la sexualité. Alors, écoutez, c'est beaucoup de choses. C'est relatif, c'est toujours vous savez, pas. Effectivement, vérifié. C'est relatif. Alors, l'abstinence, à mon avis, hein, vous savez, elle est nécessaire quand vous voulez de façon spirituelle. On l'a déjà dit, hein, de façon spirituelle, avoir un contact direct avec votre Dieu. Et même si, par exemple, vous devez faire un voyage, vous devez quitter, vous êtes marié, dans ce cas, vous devez quitter votre mari ou bien votre femme pour un moment, vous devez pratiquer l'abstinence, naturellement. Vous devez vous préparer à cela. Sinon, vous allez... Et puis même certains joueurs aussi, apparemment, avant même de... S'ils ont des matchs, avant même d'aller... Des sportifs. Ils se retiennent un peu avant. Que ce soit spirituel ou pas, l'activité sexuelle, ça demande beaucoup d'énergie. Et avoir des rapports sexuels avant une activité sportive, je ne pense pas que ce soit conseillé.
Maintenant, vous savez, il y a différentes sortes de mariages. Il y a le mariage religieux et puis il y a le mariage traditionnel ou encore, administratif. Non. Alors, si on parle de mariage religieux, naturellement, ce n'est pas conseillé. C'est défendu carrément. C'est défendu carrément. Maintenant, quand on prend les mariages qu'on fait devant le maire, à la mairie, bon... C'est juste après la célébration. Oui, avant cela, rien n'est établi dans la loi qui vous interdit de pouvoir avoir de rapport sexuel. Et donc, les gens sont libres de pouvoir avoir de rapport sexuel avant ce mariage. Et donc, pourquoi, pour revenir sur pourquoi les gens le font, des rapports sexuels, ce n'est pas uniquement pour... goûter, parce qu'on disait tout à l'heure, si tu n'as pas goûté le miel, tu n'as pas goûté le vinaigre, tu ne pourras pas savoir que le miel est si délicieux. Mais ce n'est pas pour pouvoir goûter à toutes les femmes que, par exemple, un homme veut avoir de rapport sexuel avant le mariage. Oui, mais ça entraîne il y a aussi ces raisons qui sont liées au fait que tu veux savoir si ton conjoint peut durer au lit ou pas. Si ton conjoint peut avoir de rapports sexuels au moins une ou trois fois par semaine ou pas. Parce que vous vous rendez compte après que votre conjoint, moindre chose, il est fatigué au lit. Ou moindre chose. Parce qu'il a toujours des contre. Il a la guerre. Vous vous rendez compte que moindre chose, votre conjoint, il a envie de rapports sexuels. Ou encore, carrément, vous vous rendez compte que votre mari ou bien votre femme, il n'a pas le temps pour les rapports sexuels. Il rentre la nuit très fatigué. Et donc, ce sont des choses, si vous étiez habitué... Oui, mais l'homme trouve toujours un moment pour un coup. Ah bon, tu penses? Oui. Moi, je te conseille pas. Bah, vous revenez fatigué, Helmut. Après... peut-être une émission si longue à Neo TV. Oui, moi. Ben vous pouvez, oui. Malheureusement, je n'ai pas uniquement des émissions. J'ai beaucoup d'autres choses à faire. Très fatigué. Est-ce que c'est chaque jour qu'il faut faire la sexualité, qu'il faut aller au sexe? Non, pas forcément. Mais le plus possible dans après la semaine. Après 2 heures de repos, deux vous fois, pouvez. Trois fois. Ouais. Non, pas deux fois, trois fois. Non, quand même. Au début, on peut peut-être. Tu es bien gourmand, disons. Non, pas moi. C'est pas moi qui dis. 4, c'est peu même. Elle monte 4, c'est peu. Tu sais, 5 peut-être. Ah, Michel. Si tu sais, au début de la sexualité, il y a cette gourmandise-là qui est là. Mais avec le temps. Au début, c'est sûr que c'est tous les jours, tout le temps, tout le temps. Il y a quand même des chutes. Il y a quand même des baisses. Si par exemple, tu dis que tu veux faire de la sexualité 7 jours sur 7, il y a des hommes, même des femmes qui veulent faire le sexe 7 jours sur 7. Et si vous étiez connu très tôt, vous saurez si vous êtes compatible ou pas. Moi, je pense que... Ça s'explique, en fait. Ça se partage et on trouve des solutions. Et ça s'apprend. Et on trouve des solutions. Alors, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose, l'abstinence, mais il faut qu'elle soit réelle. Rachida a touché des points tout à l'heure. Oui, sur le plan spirituel, c'est bien. Et je l'ai dit dès le début que ça dépend des discussions quotidiennes entre vous. Maintenant, il faut que cela soit concret ou réel parce que des fois, on nous brandit l'abstinence. C'est vrai que nous ne suivons pas les couples. On ne va pas voir si l'homme derrière fait autre chose ou la femme fait autre chose. Mais surtout sur le plan religieux, les gens nous brandissent cela. Mais derrière, ce n'est pas ce qui se fait. On peut voir peut-être la fille ailleurs, même si on ne la voit pas dans une position, on la voit peut-être avec un monsieur, il y a des soupçons. On peut voir l'homme ailleurs, surtout l'homme, parce que l'homme peut garer une femme et lui dire, écoutez, je vais vous épouser, les parents connaissent l'affaire, tout le monde est au courant, mais derrière, vous le voyez peut-être en voyage. Helmut peut-être qui va à Cara pour une mission de New York ou encore quelqu'un. Non, c'est un autre Helmut. Sinon Helmut, c'est lui. Parce que est-ce que ça peut arriver aussi que la femme dit oui, bon moi j'attends jusqu'au mariage, puis l'homme qui ment oui d'accord et tout, je te suis, mais au final non, l'homme il va faire autre chose ailleurs. Ça, c'est ce que tu nous dis. Le Helmut qui va à Cara par exemple. Qui va à Cara par exemple et qui je le vois traîner. Autour de lambda ou quoi vous avez quelqu'un. C'est vrai que vous ne le voyez pas
faire l'acte, mais vous allez dire, Helmut, ah, il a sa femme à Lomé, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est juste un exemple. Helmut n'est pas comme ça. Maintenant, c'est pas ce Helmut-là, c'est pas celui-là. Vous savez, l'abstinence, à mon avis, ça dépend de ce que tu veux faire avec. Tu voudrais espacer tes enfants, ou tu ne voudrais pas utiliser de méthodes contraceptives. Parce que s'il y en a qui sont contre, de façon religieuse, contre les méthodes contraceptives. Et donc, ils sont pour l'abstinence, histoire de pouvoir espacer les enfants. Ouais. Il y a d'autres façons hein, de gérer. Il nous reste deux minutes. Il y a d'autres façons également naturelles. Mais de façon religieuse, avant le mariage, parce qu'il y a beaucoup d'abstinence, abstinence avant le mariage, de façon religieuse, c'est conseillé. Vous êtes contraint de pouvoir le faire si vous voulez avoir cette chance de pouvoir dire que, bon, voilà, on ne s'est pas connu de façon sexuelle avant le mariage. Et donc, c'est bon. Maintenant, il ne faut pas se cacher derrière des faiblesses sexuelles, et derrière des problèmes de fertilité. Pour pouvoir imposer l'abstinence à son conjoint. Tu fais ta conclusion là-dessus, alors. Et après, vous vous mariez. Oui, tu fais ta conclusion là-dessus. Oui, c'est ma conclusion. Et donc, après, pour que après le mariage, on se rende compte que, voilà, la femme, elle a eu un fibrome, et après, bon, elle ne pourra pas avoir... Donc, c'est avec la sexualité, en fait, avant le mariage, qu'il faut déterminer si la femme a des fibromes, mon cher. Non, alors, on est en train de conclure, non, Rachida. Non. On est en train de conclure. Non, parce que... Je dis, elle veut comprendre. Comprends ce que je dis. Je dis, il ne faut pas se cacher derrière... L'abstinence. Derrière l'abstinence pour... caché, non, elle m'a fait perdre. Bon, vas-y, conclure Rachida alors. Rapidement. Oui, merci Helmut. Non, il faut merci dire beaucoup, que Helmut n'a pas pu terminer. Oui, mais moi, on ne peut pas reprocher à une femme qui n'est pas fertile après le mariage que c'est parce qu'elle a adopté l'abstinence. Je ne dis pas qu'on va lui reprocher. Non, là, c'est la conclusion. Alors, là, c'est la conclusion. On ne peut pas aussi. Est-ce que vous savez que c'est une cause de nullité du mariage? Quand c'est fait à dessein, quand vous cachez votre fertilité, votre problème de fertilité, ou bien votre faiblesse sexuelle avant le mariage, et qu'on se rend compte que vous l'avez fait de façon à dessein, on cite la nullité du mariage. Et sûr. Ce mariage n'a jamais eu lieu. Bien et donc, sûr. Faut on va se conclure, cacher on va derrière conclure, ça on va conclure, pour Rachida, pouvoir imposer l'abstinence à son congé. C'est ce que oui, moi je veux dire. Laisse Rachida conclure, on n'a plus le temps. Ce que moi je peux dire, je ne suis pas une sainte. Et je laisse tout le monde décider de ce qu'il veut. Ce qui est bon pour lui. Ce qui est bon pour lui. Mais dire qu'il faut d'abord que je teste l'aptitude sexuelle de mon partenaire avant d'aller au mariage, ça, on peut risquer d'avoir plusieurs conquêtes. On peut se retrouver à coucher avec 20, 30, 40 personnes dans la recherche de ce bon partenaire-là. C'est un danger. Maintenant aussi, il y a des choses qui se prouvent scientifiquement. Si vous voulez tester des choses avant le mariage, il y a la science qui est là pour pouvoir vérifier des choses, pour pouvoir faire des tests, pour pouvoir faire des analyses. Il y a tout cela. Moi, je me dis qu'il ne faudrait pas qu'on se donne des excuses parce que notre corps voudrait faire des choses avant le bon moment. Voilà. Michel, vite fait. Moi, je pense que l'abstinence est une bonne ou une mauvaise chose. Ça dépend de la connotation de chacun et surtout ça dépend des discussions de chaque jour. Comme je l'ai dit, la vie de couple ne se limite pas seulement au sexe et puis peut-être au manger ou autre. Il faut des discussions quotidiennes et c'est à partir de cela qu'on peut déterminer cela. Abstinence peut-être oui, mais pas sur une longue période parce que cela a des impacts surtout négatifs sur le plan sanitaire. Sur et l'homme et sur la femme. Le stress surtout. Ouais, bon, en tout cas, oui, l'abstinence, c'est comment je dis, moi je dirais, moi, notre corps nous appartient. Donc, libre à nous de savoir ce qu'on veut en faire. Donc, si vous souhaitez l'abstinence, ça vous regarde. Et si vous ne le voulez pas, ça vous regarde aussi. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à Clessou et Aristide à la régie. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci, bye bye.